que vous avez choisi et que vous connaissez bien, le voici. J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et ne le lâcherai point. Cantique des Cantiques, au chapitre 3, verset 4. Chers amis, le texte du Cantique des Cantiques est un recueil de chants d'amour, de poèmes d'amour, c'est très beau, voire même des poèmes sensuels, qui se présentent sous la forme d'un dialogue entre une femme et un homme. Le bien-aimé et la bien-aimée qui sont accompagnés d'un cœur qui intervient de temps en temps. Leur voix s'interpelle. Ils se perdent, disent-ils, ils se cherchent et se retrouvent. C'est très beau. Littéralement, dans la manière d'écrire, le langage est imagé. Il célèbre le désir, qui est naturel, la beauté et les plaisirs de l'amour. Et les images sont empruntées aux résidus de la nature. Il parle de plantes, d'arbres, d'animaux, en disant ma colombe, ma gazelle, c'est beau, hein? Mais hein, il y en a même qui se disent, hein? Ma colombe, ma gazelle, ma biche. Ma colombe. Moi, vous les avez plus souvent. Hein? Voilà. Donc des animaux, mais aussi des parfums. Les senteurs, les arômes, l'encens, comme dans notre tradition sénégalaise, le tchoura et le némalé. Ouais. Et au goût, ce sont les fruits, on parle même du vin. Vous voyez, tout cela pour quel objectif? L'objectif du Cantique des Cantiques est de magnifier l'amour de Dieu pour son peuple en partant de l'amour visible entre l'homme et la femme. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors, dommage que les couples aujourd'hui ne lisent plus souvent le Cantique des Cantiques. Et dommage que les poèmes entre amoureux s'arrêtent en général avant le mariage. Quand on se fait la cour, là, quand on se cherche, il y a des poèmes. Quand on était jeune, là, quand on était gosse, au CM ou bien en 6e, là, tu vois déjà qui faisait des femmes, je t'aime comme le poisson et l'eau. Je t'aime comme je sais pas quoi. Voilà. Hein, comme le poisson aime l'eau, il y a un qui a aimé d'ailleurs, je t'envoie un pacobo de baiser. Un autre disait, quand je te vois, mon cœur chavire, etc. Alors, pourquoi cela doit s'arrêter quand on est marié? Comme si on se dit, bon, maintenant nous sommes adultes, et donc voilà, tout ça c'est dépassé. C'est pas dépassé, bien. En méditant sur votre thème, et vous m'avez demandé de venir prêcher, je vais prêcher. En méditant sur le thème que vous avez choisi, certaines d'entre vous s'y retrouveront joyeusement parce qu'elles ont véritablement cherché, trouvé celui que leur cœur aime et ils l'ont gardé jusqu'à ce jour. D'autres s'y retrouveront peut-être tristement parce qu'elles ont cherché et n'ont pas trouvé ou n'ont pas encore trouvé. Je ne connais personne. D'autres encore seront tristes parce qu'elles ont mal cherché, en voulant peut-être trop sélectionner, trop conditionner, jusqu'à rater le moment où Dieu les a visités. D'autres enfin s'y retrouveront avec quelques chagrins parce que déçus par celui que leur cœur aimait ou victimes d'incompréhension, d'incompatibilité d'humeur, de problèmes de trahison, de confiance, d'argent, d'ingérence des parents, et que sais-je. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, c'est ne nous jugeons pas les uns les autres. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Que chacun et chacune regarde sa vie sentimentale et matrimoniale en face, avec les lunettes du Saint-Esprit, en regardant le Christ, afin de prier, c'est pour ça que nous sommes venus, de méditer, de persévérer et de se convertir aux besoins. C'est ça qui nous a amené ici. Pas pour se lancer des flèches, pour dire à l'idée, dis-vous la concerner. On est venu devant le Seigneur pour prendre les lunettes du Saint-Esprit
et essayer d'améliorer, prier, méditer, persévérer et se convertir aux besoins. Ça, c'est pour nous tous. Alors, je serai très simple. J'ai cherché et j'ai trouvé. Le G détermine une liberté personnelle, une initiative personnelle, une démarche et un choix libre et conscient. G. Cette personne, cette femme, a conscience, cette personne, ou alors cette femme, a conscience de la dimension de l'amour dans son cœur et dans sa vie. Une dimension naturelle, l'amour. Tous les hommes du monde entier, toute personne humaine, le Seigneur a semé l'amour dans ton cœur. Cette personne donc découvre progressivement, avec son adolescence, qu'elle est un être sexué, sexe masculin ou féminin. Elle sait qu'elle est femme, comme l'homme découvre petit à petit qu'il est homme. Et comme telle, elle sent dans son corps le besoin d'une complémentarité. Quelque chose l'attire irrésistiblement vers l'autre sexe, vers le sexe opposé. C'est naturel. C'est l'amour qui ne s'explique pas systématiquement. Et quand Adam s'est levé dans le livre de la Genèse, il a dit, oui, cette fois-ci, voilà l'os de mon os, la chair de ma chair. Et dans le livre des proverbes, il y a ce qu'on appelle les proverbes numériques, que j'aime bien rappeler. Il dit qu'il y a trois choses qui l'étonnent dans la vie et que la quatrième est une merveille. La première, à l'époque, quand il écrivait, c'est le chemin du bateau sur l'eau. Il n'y a pas de tour, tout le bateau. Ensuite, ce qui l'étonne, c'est le chemin de l'aigle dans l'air, l'oiseau. L'aigle. C'est maintenant que les oiseaux cognent parce qu'on a mis des immeubles et des vitres. Mais en général, ça met la vie. La troisième chose qui l'étonne, à l'époque, c'est la trace d'un serpent qui passe sur un roc. Et la quatrième chose qui l'étonne et qui est une merveille, c'est le chemin qui mène l'homme vers la femme. Mystère. Pourquoi un Japonais va venir jusqu'au Sénégal pour épouser une Sénégalaise? Pourquoi on va faire des kilomètres jusqu'en Afghanistan pour épouser un Afghan? Voilà. D'accord? Donc le chemin qui mène l'homme vers la femme. C'est dire que c'est Dieu qui a semé l'amour dans nos cœurs. Voilà. Et cette liberté, frères et sœurs, le G, cette liberté exclut en même temps toute démarche forcée. Le mariage est un acte libre et conscient. Si c'est un mariage forcé, en tout cas dans l'Église, ça n'a pas sa valeur. Des conseils, oui. On peut demander des conseils aux parents, aux amis, en disant, ah, moi, j'ai rencontré quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses, papa, maman, voilà. D'accord? Des conseils, oui. Des bons offices aussi, pour aider à la rencontre et à la parole, oui. Il y en a qui sont timides. Il y en a qui sont timides et qui ne peuvent pas parler. Ils aiment, mais ils ne savent pas. Alors, ils vont user des bons offices de quelqu'un pour ne pas. Ah, yo, doma bolé à qui? Doma wahala à qui? Mais oui, voilà. Ça, ça peut se faire. Mais pas de forcing. C'est un acte libre et conscient. Je crois que nous sommes d'accord. Chercher. C'est un aspect important pour arriver au mariage. Il s'agit d'abord de découvrir sa vocation. Pour Ham, Nardengay Donny Lamé, ma soeur, Am Dengay choisir le célibataire de vivre son célibat librement, ou alors tu vas opter pour le mariage. Donc ça va découvrir sa vocation. Chers amis, pour aimer, il faut se rencontrer. Il faut se rencontrer. Il faut se regarder. Même si on est timide, on peut regarder en bas, mais après, il faut la. C'est vrai, non? Pourquoi il veut regarder? Pourquoi il te regarde? Voilà. Donc, il faut se regarder. Se connaître. Donc, c'est d'abord le regard. On s'est rencontré, on se regarde. Et quand on se regarde, si quelque chose fait tilt, c'est que c'est naturel.
pas seulement de se regarder, il faut se connaître. Se regarder, se sourire et se parler. Il y a des démarches. Hein? On se regarde. Si le regard est positif, là, si je ne veux pas de ton regard, je tourne ma chaise et te regarde. Donc, je vais aller voir mon bas. Voilà. Mais si le regard a donné son consentement, son accord, maintenant on se sourit et on se parle. Voilà. Et une fois qu'on s'est parlé, on arrive à se connaître. Voilà. Donc ça veut dire que pour chercher, il faut sortir ou alors se faire visiter. Et c'est les deux. Soit tu sors, soit la personne te voit et te fait visiter et il faut que tu acceptes alors qu'elle vienne te visiter. Donc, se sortir, il y a des lieux de rencontre, hein, et toute la vie d'ailleurs, c'est fait de rencontres. Ça peut être dans la prière, à l'église, il y en a qui se rencontrent au cours d'une messe, au cours d'une veille de prière, il y en a qui se rencontrent dans les soirées d'ensemble, il y en a qui se rencontrent dans le milieu professionnel, il y en a qui se rencontrent dans les voyages, dans les cérémonies de deuil ou de mariage ou de guetté, hein. Et accepter aussi, quand on veut chercher, d'être abordé. Ah oui? Si on a un visage carré de 18 mètres, personne ne va approcher, c'est ça? Non, c'est vrai, un visage doit être avenant. Un visage doit être avenant. Donc, accepter d'être abordé. Même si on dit non. On peut être abordé sans accepter. Voilà. Chercher avec lucidité. Quand on cherche, chercher avec lucidité, même si l'amour est aveugle et que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Il faut être lucide aussi. Ouais. Savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut et qui on veut. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent et il y en a qui ne savent pas qui ils veulent. On aurait une tibiti. Voilà. Savoir ce qu'on veut. Si on veut. Si on veut un paysan, ben on sait qu'on veut un paysan. Si on veut un fonctionnaire, on sait qu'on veut un fonctionnaire. Si on veut un catholique, on sait qu'on veut un catholique. Si on veut un musulman, on sait qu'on veut un musulman. Si on veut un protestant, si on veut même un athée, en disant l'essentiel est que ce soit quelqu'un qui m'aime et qui s'occupe de moi. Mais même dans l'église, il y a ce qu'on appelle le mariage mixte entre chrétiens baptisés catholiques et chrétiens baptisés protestants. Orthodoxe, et il y a ce qu'on appelle le mariage avec disparité de culte entre une partie catholique et une partie musulmane, une partie catholique et une partie traditionnelle, une partie catholique et une partie athée. Voyez-vous? Ouais. Donc choisis celui qu'on veut. Entendu que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et il faut aider tout simplement la personne à se parfaire. C'est l'abbé Patrice Poli qui racontait que. Oui, que Dieu est son âme. Il racontait qu'une femme qui attendait l'enfant a tellement prié que le Seigneur a exaucé sa prière. Donc il a vu quelqu'un, mais comme je dis, personne n'est parfait. Mais la personne n'était pas très religieux, quoi. Très église, très priante et tout ça là. Hein? Mais bon, elle s'est dit que non, il faut qu'on ne dise pas le coup pour nous convertir ou quoi. Hein? Donc il l'a mené à des prières, et il l'a mené souvent au monastère. Finalement, le gars est devenu moine. Non, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire devant le Christ et en église, que personne ne parfait et qu'on ne peut pas dessiner à 100% celui qu'on veut. Donc, de quoi? Parce que personne n'est parfait. Voilà. Et donc, il faudra savoir que la vie sera maintenant une complémentarité. On va s'aider à être parfait. Bien. Cherchez donc cette vie. Trouvez. Bien. C'est à la fin de la réflexion. Donc, c'est la fin de la réflexion. Quand on a trouvé, c'est la fin de la réflexion. C'est la fin des questions. Est-ce que tu n'as pas? Est-ce que nous pas? Est-ce que vous avez un rôle? C'est la fin des hésitations de toutes sortes. Et on décide maintenant de dire oui et d'accepter ce que Dieu m'a donné. Oui, j'ai trouvé.
Maintenant, combien de temps il faut pour dire oui, j'ai trouvé? J'ai pas le planning de Dieu. C'est à chacun de vous de voir le temps qui lui est requis. Il y en a qui font un an, ils sont mariés. Il y en a qui font deux ans, ils sont mariés. Et quand même, je crois qu'il ne faut pas exagérer en restant ici pendant. Il y en a qui sont cherchés. Bon, je sais pas. 8 ans, 18 ans, tout ça. Même moi, je crois quand même que c'est trop. Oui, si. Il y a un moment où il faut croire en Dieu et plonger. Ouais. Donc, combien de temps il faut, c'est à chacun de voir. Mais, pour dire j'ai trouvé, ça nécessite beaucoup de confiance en l'homme qu'on a trouvé. Ça nécessite beaucoup de confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Pour l'aventure du meilleur et du pire, même le prêtre, il s'engage. Quand l'évêque dit, par exemple, au diaconat, au nom du Seigneur avancez, le prêtre fait tchac. Hein? Ça, il fait énormément confiance au Seigneur Jésus et à la grâce de Dieu. Bien. Trouvez donc avec Dieu. Parce que quand on a trouvé, on mise sur quelqu'un. Oui? On fait le pari de sa vie. On fait le pari de sa vie. On risque même, on choisit le risque de sa vie. Un conjoint trouvé avec amour, mais pas par sa simple beauté. Pas par sa simple beauté en disant c'est un gentleman. Pas pour son avoir, pas pour son savoir, pas pour son pouvoir, parce que tout cela est relatif. Donc trouvons sur la base de l'amour. Pourquoi? Parce que, attention, à ceux qui se trompent de choix. Quand on se trompe de choix, c'est grave. Parce qu'on peut vivre le martyre. Si on se marie pour l'argent et que l'argent n'est plus là, attends, je fais les vélos comme dit. Donc, trouver avec amour, mais pas pour la beauté, le savoir, l'avoir, le savoir et le pouvoir. Bien. Celui que mon cœur aime. Donc, tu as trouvé. Qui tu as trouvé? Celui que ton cœur aime. Alors là, il y a deux dimensions à retenir. Celui que mon cœur aime est celui qui fait la joie et le bonheur de mon cœur, d'une part. C'est lui que Dieu a choisi pour mon bonheur. Et ça, je le crois profondément. Mais en même temps, c'est celui que mon cœur a choisi pour faire sa joie et pour faire son bonheur. En fait, ce sont les deux. Celui que mon cœur aime, c'est que j'ai espoir que celui-là va faire mon bonheur et ma joie, et moi-même je pourrai faire son bonheur et sa joie. Donc ce sont des dimensions qui sont complémentaires et indivisibles. On ne peut pas dire je vais trouver quelqu'un qui va faire ma joie et toi tu ne vas pas faire sa joie. Non. Voilà. Donc, deux dimensions complémentaires et indivisibles. Il s'agit pour chaque côté, chers frères et sœurs, chers amis, de faire grandir l'autre dans son épanouissement. Qu'est-ce que c'est la vocation du matin? Faire grandir l'autre dans son épanouissement. Épanouissement physique, épanouissement sentimental, épanouissement moral, épanouissement humain et même épanouissement spirituel. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la fidélité de toi, dans la tendresse et dans l'amour. Je te fiancerai dans la fidélité et tu connaîtras Yahvé. C'est ça. Pour que, vraiment, il ne regrette jamais le jour où il est avec toi et qu'il puisse rendre grâce à Dieu pour cette femme extraordinaire qu'il lui a donnée. Bien. Donc, être réciproquement au service de l'autre. Et cela ne peut se faire que sur la base de l'amour réciproque qui est vrai et réaliste. Pourquoi? Parce que le bonheur se construit à deux. Il exige alors, pour faire son bonheur, il exige la connaissance intime des conjoints, se connaître. Même une complicité positive. Il y en a qui sont très complices dans le mariage. Quand ils se regardent, ils savent ce que chacun doit faire. Ça nécessite aussi une maîtrise de ses caprices. Il y en a qui sont capricieux. Il y a des hommes capricieux et il y a des femmes capricieuses aussi.
de maîtriser une maîtrise de ses caprices et de ce qui peut faire son bonheur. Connaître ce qui peut faire son bonheur. Pourquoi? Parce que il ne faut pas lui imposer un bonheur qui n'est pas le sien. Et il y en a qui se trompent. Mon mari, je vais l'encadrer comme ça. Comme s'il n'y a que toi qui sais l'encadrer. Et tu l'encadres selon ta vision. Et lui, il a ses propres visions. Donc, ne pas lui imposer un bonheur qui n'est pas le sien. Il s'agit de chercher à savoir qu'est-ce qui fait son bonheur. Et si vous savez ce qui fait son bonheur, vous l'avez gagné. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, vous allez me dire, et si ça ne marche pas? Ah, j'y répondais tout à l'heure. Ensuite, vous avez dit, je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. C'est l'étape après le mariage. Là, je l'ai saisi. On a fait le mariage civil, c'est signé, je l'ai saisi d'une part. On a fait le mariage religieux, c'est signé, je l'ai saisi maintenant. Je l'ai saisi parce que le jour du mariage, vous avez avancé la main dans la main, jusque dans l'église. Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie, partout où iras, j'irai avec toi. Bah, c'est tellement beau, mais c'est dommage, après, mais déjà façon, ça a été un édougouti. Non, c'est dommage, ouais. C'est dommage. Il est grand le mystère du découragement, du péché et de la faute. Quoi. Et c'est très beau. Donc ce jour-là, vous êtes entré la main dans la main. Confiance dans la confiance. De plus, au moment des consentements, vous vous êtes donné la main pour dire, il y en a même qui se donnent la main et qui disent, regarde-moi, les yeux dans les yeux, face to face. Mais c'est ça. Et il lui dit, dis-moi, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, tel, veux-tu être mon mari? C'est très beau. Oui, je le veux. Tel, je te reçois comme épouse et je me donne à toi de t'aimer fidèlement tout le long de ma vie. L'autre est pour la même chose, je te reçois comme épouse et je me donne à toi de t'aimer fidèlement tout le long de ma vie. Le prêtre bénit en disant son consentement que vous venez d'exprimer. Le Seigneur le confirme et qu'il vous comble cette bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour lui, recueillez-vous en pensant à ce que Dieu a fait. Et puis la chorale qui éclate. Mais c'est tellement beau. Même en sortant de l'église, les cloches qui sonnent, attention, Saint-Tertullien, un père de l'église, a donné une interprétation très belle de ça, des cloches qui sonnent. Il dit que quand les cloches sonnent, vous avez déjà signé les registres. Et en sortant maintenant, les cloches sonnent. Ils disent que ce sont les anges qui se réjouissent au ciel et c'est Dieu qui ratifie de sa propre main. Alors, donc, vraiment, nous avons là, avec ce que j'ai dit, peut-être mon mari et tout ça là, les propriétés du mariage. L'unicité, un homme et une femme, et l'indissolubilité pour toute la vie. Voilà pourquoi, face à un mariage qui est célébré licitement selon la loi de l'Église, et validement, le divorce n'est pas admis. Et les gens diront, mais pourquoi l'église? C'est que des gens qui s'aiment, mais c'est pas, je ne veux plus, mais qui va dissoudre les choses. Ouais. Voilà pourquoi aussi, vous voyez dans le milieu traditionnel, quand ça n'allait pas, on parlait, et il y en a qui intervenaient. Et quand on intervient, on défarrait. Mais aujourd'hui, avec la solitude, on ne veut plus parler. On veut régler le problème seul à seul. Mais pourquoi on choisit des témoins? Mais les témoins ne sont pas là seulement pour être témoins, mais ils devraient être aussi les veilleurs par rapport à ce couple-là. Et accepter humblement de se faire aider. Il y a tout cela, quoi. Donc, voilà. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour ne plus le lâcher. Je vais vous en donner 4. On va finir avec ça. Pour ne plus le lâcher, il faudra beaucoup de courage, beaucoup de patience, de prière, de recommencement, de communication, de vigilance et de pardon. D'abord, le courage
et la patience. Figurez-vous, et ça pour moi, je me dis toujours, mais c'est une contradiction. Mais c'est ça la réalité. Quand une femme va rejoindre son mari pour le mariage, dans toutes les traditions, du Sénégal en tout cas, même mariage traditionnel, tout le monde est dans la joie. Hein? Elle-même, la femme qui doit aller rejoindre son mari, est dans la joie. Et pourtant, on lui dit, bon, mais non. C'est ça. Elle est là toute heureuse. Elle est tournée. Ah, bon, mais non. Ça veut dire que ceux qui t'encadrent savent déjà que dans le mariage, il y a le meilleur comme il y a le pire. Hein? Donc, parce que tout simplement, comme j'ai dit, il y a le meilleur et le pire. Et en même temps, personne n'est un ange et les dérapages sont possibles. Et de la femme du père, et de la part du mari, et de la part de la femme aussi. Hein? Oui, les torts ne sont pas toujours unilatérales. De plus, le diable ne laisse pas tranquille les gens. Comme le diable ne laisse pas tranquille les gens. Voilà. Le diable vient du grec diabolein qui signifie disperser. Là où se trouve l'entente, il n'a pas de place. Mais son objectif, c'est de diviser et diviser. Diviser et diviser. Ensuite, la communication. Mes chers amis, il faut parler. Il faut parler. Tous les problèmes du monde, les conflits du monde, se règlent autour d'une table. On appelle les négociations. Voilà. Dieu nous a donné la parole pour pouvoir communiquer et traduire nos sentiments. C'est vrai que le silence est bien parfois, mais le silence peut être très dangereux. Parce que quelqu'un qui est silencieux, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il garde dans son cœur. Moi, en tout cas, quand je vis avec quelqu'un qui parle aujourd'hui et que demain fait tchèn, ah, moi je me demande qu'est-ce qu'il a. Donc, il y a le silence de méditation, ça je veux bien de prière, mais je crois qu'il faut parler. Et si on ne fait pas attention, les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui ne nous permettent plus de parler. En tout cas, pas beaucoup. Parce que quand on entre à la maison, en général, le mari qui est à la maison, il arrive, il se connecte pour les matchs de Milan AC et de tout ce qu'on veut. Oui. La femme, en attendant, va s'occuper de la cocotte pour qu'on puisse manger. Hein? À peine le mari a fini, c'est la femme qui vient prendre la chaîne. Comment on appelle ça? On va la quoi. Bon, ouais. Alors. Ensuite, vous mangez. Et en mangeant, peut-être qu'on met le journal de la télé sénégalaise. Oui, pour voir les nouvelles. Ensuite, quand on a fini, le temps de rester là à digérer, chacun est sur son contact. Et on parle quand? Ah ah! Donc, on veut nous faire savoir que la communication est effective avec les instruments qu'on a là. Et si on ne fait pas attention, ça tue même la communication au sein de la famille, au sein des communautés. Voilà. Donc, il s'agit, dans la parole, la communication, de communiquer d'abord en couple. Pas tibitu. Oui. Parce qu'on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Quand ça ne va plus, on peut aller demander un secours d'or. Mais il ne s'agit pas que tout ce qui se passe, on prend d'abord les amis qu'on prend pour des confidents et qui ne le sont peut-être pas. Ou alors aller tout raconter aux parents, ce qui peut envenimer les choses. Voilà. Donc je crois qu'il faut d'abord communiquer entre couple et quand ça ne va pas maintenant, on va demander secours à l'église, chez ses parents, voilà. Et chez les amis. Donc de grâce, la communication est importante dans un couple. Alors, ensuite, le recommencement et le pardon. Ah, c'est sur ces faiblesses qu'on construit. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est Pascal, qui fait l'ange, fait la paix. Quel mot? Quel mot? Et l'homme des grands qu'à genoux. Alors, donc il s'agit de construire sur ses réussites, mais aussi sur ses faiblesses et sur ses échecs. Et savoir demander pardon et aussi pardonner. Oui. Parce que qu'est-ce qui arrive maintenant quand il y a le refus total? C'est parce qu'il y a le refus de pardon. Ouais. On ne veut plus être ensemble et ça, c'est un refus de pardon. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a des torts ou bien des dérapages qu'on ne peut pas pardonner. Non,
Qu'est-ce qu'on ne fait pas à Dieu? Mais voyez, le Seigneur est miséricordieux. Bah, je crois qu'il nous faut savoir demander le pardon et aussi pardonner. Ça, c'est incontournable dans un mariage. Si chacun gonfle son orgueil, ça ne peut pas aller. Et quand on pardonne, notre cœur est en paix. Oui, notre cœur est en paix. Parce que quand on ne pardonne pas, si nous voulons des barres continues, et on ne pourra jamais digérer cette rupture-là. Mais quand on pardonne, il y a quelque chose qui baisse. Il y a un qui avait donné l'image du pardon, il a donné l'image d'une bassine qui est pleine d'eau. Si je porte seul, c'est lourd. Mais si chacun prend, eh bien, ça devient plus léger. Et quand on a le pardon, moi je vous assure qu'on dort bien, on mange bien, on s'habille bien, et on est bien ensemble. Mais si vous y pas, hein, on a fait pardonner leur misère. Ah, vous voyez, vous le faites. Voilà. comment ne plus le lâcher en non, il y a deux points. Puis avec la prière, deux, puis avec la prière. C'est la vigilance. Il faut être très vigilant, même dans le mariage, pour protéger celui qu'on aime. Oui. Et que celui qu'on aime aussi nous protège. Contre les prédateurs du mariage. Et les prédateurs du mariage, d'un côté, il y a la tentation de l'infidélité. Il y a la tentation des sorties pour aller dans les bars ou les after-work, les amis. Hein? Ah, si. Il y en a dès qu'ils ont fini le boulot, ils ne rentrent pas avant minuit. Ok? Alors, maintenant vous allez me dire comment faire. Mais s'il a ça dans la maison, est-ce qu'il peut aller chercher ça là-bas? Hein? Bon. L'infidélité. Ah, si. Non, disons-nous les choses. Quand on a un mari, on en prend soin, on s'en occupe. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? Ouais. Quand on a un mari, on s'en occupe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme quand. Voilà. Ouais. Parce que quand même, on ne peut pas, par exemple, ce dimanche-ci, on ne peut pas ce week-end-ci être à Bobomine, ce week-end-ci être à Kodoussa, ce week-end-ci être en réunion parentale. Non, ouais. Alors, un des prédateurs du mariage, vous savez bien ce que je veux dire. Un des prédateurs du mariage aussi, c'est le protéger contre l'argent illicite. En faisant quoi? Tu gagnes des deuils. Mais si vous mettez une pression à votre mari en disant, Anna t'a pas vu la maison de l'autre, Anna t'a pas vu le salon de l'autre, ils ont changé hier, Anna t'a pas vu leur appartement, ils ont agrandi, attention. Là, vous allez pousser monsieur à prendre un job qui n'est pas son job et à aller prendre l'argent de lui. Ça aussi, je crois qu'il faut y aller avec ses propres moyens. Sinon, demain, voilà. Il y a aussi des prédatrices graves que sont les autres femmes et les autres jeunes filles qui ne sont pas mariées et qui sont à la chasse des hommes et qui arrachent les maris des gens. Ce que je dis, wallahi khabir. Donc, moi, je crois, comme je dis, il nous faut être vigilant pour que on puisse protéger notre mari à la maison. Et que le mari aussi, de sa part, puisse protéger son épouse. Bien. Enfin, c'est la prière. Monseigneur Jacques Sartre disait de son vivant à un couple qu'on avait rencontré tous les deux à l'archevêché de Dakar qui était venu pour une préparation du mariage. Je leur ai dit, oui, ça va, vous êtes venu pour une préparation du mariage. Le Seigneur Jacques Sartre leur a dit, arrêtez-vous. Je leur ai dit, un couple qui prie, c'est un couple qui va très loin. C'est ça que je dis à vous. C'est ça que mon Seigneur leur a dit. Un couple qui prie, c'est un couple qui va très loin. C'est ça que j'ai à vous donner comme conseil. Alors, chers frères et sœurs, en finissant ce beau thème, le thème est extraordinaire. Ça, je crois que vous m'avez donné l'occasion, ça. Les jeunes de Kounoun, là, je vais les réunir au bar. Si. Parce que ça peut servir à des jeunes, à des gens mariés, à des jeunes, les jeunes qui se préparent au mariage. Et tout cela. Moi, je crois qu'il faut une préparation en amont
un accompagnement pendant le mariage et même jusqu'à là. Alors la prière, moi je voudrais déjà demander au Seigneur Jésus de visiter toutes les personnes qui sont là. Il connaît la situation de chacun. Il y a des situations qu'on n'a pas désirées et qui sont là en détresse. Seigneur Jésus, tu les connais, on te les confie. On te confie aussi ceux qui se préparent au mariage, ceux qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur. Seigneur, tous ceux qui arrivent, il y a des témoins. Nous te les confions aussi. Nous te confions ceux qui ont réussi leur mariage et qui aujourd'hui servent de modèle à notre société. Seigneur, nous te les confions afin que tu continues à les accompagner. Enfin, chers amis, je crois que le conseil de Mgr Jacques Sarr doit être notre conseil. Continuons à prier, à prier, à prier. Rien n'est impossible à Dieu. Et quelle que soit l'intensité des ténèbres, il fera jour quand même par la grâce de Dieu. Il vivra pour les siècles des siècles. Amen.